Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter des tiroirs sur différentes faces de votre caisson. Donc déjà, je vais commencer par sélectionner un meuble rectangulaire. Je vais sélectionner du coup la méthode Bloom Tandem pour avoir des tiroirs bois avec l'ensemble des côtés. Dans les informations en dessous, donc ça va être les dimensions du caisson. Donc là, ici, j'ai décidé de créer une colonne de 1800 600 par 600. Par défaut, lorsque vous allez vouloir ajouter un tiroir ou une porte, celle-ci va s'ajouter sur la façade. L'ajouter sur différentes faces de votre caisson, il va falloir désactiver celle-ci. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer en dehors du meuble. Et dans le menu des propriétés, vous allez avoir accès au panneau que vous pouvez désactiver. Je vais vous faire un petit exemple. Donc, je vais désactiver le fond. Et je vais aller ajouter, du coup, une porte sur le fond. Et je vais pouvoir, du coup, ajouter aussi un tiroir sur la face. Donc je vais supprimer les deux. Je vais réactiver mon fond que je vais là mettre en 19 mm. Et du coup pour le mettre par exemple un tiroir sur l'avant et deux tiroirs sur la joue droite, ce que je vais faire c'est tout simplement désactiver ma joue droite, positionner une étagère fixe. Disons à un tiers du bas. Pour la joue droite de la partie basse, je vais ajouter du coup un montant placé à une distance de 0 mm de la droite. Et pour le haut, je vais du coup devoir placer un double fond que je vais placer à 0 mm de l'avant. Une fois que j'aurai défini mes deux zones, je vais pouvoir ajouter des tiroirs dans ces dernières. Dans mon premier emplacement façade, je vais ajouter un tiroir et deux nouveaux tiroirs sur la partie de droite. Vous aurez alors ajouté vos tiroirs sur différentes faces du caisson. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie et à bientôt.